fusée française munie d'une ogive de téléguidage ultra-secrète a mystérieusement disparu au-dessus de l'Atlas. À l'aide d'une puissante station de brouillage, la trajectoire de la fusée a été déviée par les agents secrets d'un pays étranger. La base aérienne française de Boussefer a été alertée. Ses pilotes ont entrepris des recherches au-dessus du désert. Tanguy et Laverdure, qui y participent, ont été abattus par surprise par un chasseur inconnu. L'un s'est éjecté, l'autre a atterri sur le ventre. Sauvés tous deux, ils ont retrouvé l'ogive disparue. Dis donc, si les gus voient pas ça de là-haut, à moins qu'ils soient daltoniens, en attendant, il faudra bien de se grouiller parce que moi j'ai les crocs. Hein. Mais ça risque de prendre du temps. Parce que pour nous retrouver, les gars ont fouillé la superficie de deux départements, tout en caillasse et en ravin, alors tu vois. Ah, mon colonel, les hélicoptères de la marine ont décollé du porte-avions Clémenceau au large de la côte, ils sont en route. Bon. Alors, oui. Très bien. Nous recevons cette nuit deux sticks de parachutistes de peau. Parfait. Oui, merci. Bertrand, que tout soit prêt pour les fleurs. Bien, mon colonel. Nous aurons sûrement l'accord des autorités locales dès leur arrivée. Il faudra que les patrouilles puissent décoller le plus vite possible. C'est une chance pour Tanguy et Laverdure qu'ils aient pu mettre la main sur l'ogive. Jamais on n'aurait déployé un tel luxe de moyens pour eux seuls. Oui, j'imagine. Pas mon problème. Tiens, prends ce caillou, c'est bon pour la soif. Ouais. Non, ça vaut pas un diabolo menthe, hein. Ouais, enfin, ça me rappelle une fille qui était comédienne, une fille qui m'a beaucoup aimé. Oui. Eh bien, elle, tous les matins, elle faisait ça. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu, je me dis petit pot de beurre riserai, quand tu... Alors, Michel. Vieux verts. Je viens de repérer nos clients. Ils sont en possession du colis. Les Français ont récupéré l'ogive. Passe. Hyper vieux verts. Ici, numéro 1. Qu'attendez-vous pour liquider les Français? C'est fait. Je me vois. Je suis en cours de pétrole. Je rentre. Attention. Pour la récupération de l'ogive, aucun atterrissage possible aux environs. Quelle position? 3 km au sud-est, Jebel Harifa. Noté. Et faites répéter pour vérification. Maxime, entrez en contact avec notre base. Faites décoller immédiatement les parachutistes. Tiens, là-haut, tu seras bien. Tu vas voir, c'est grand comme le hall du Carlton. Il manque la piscine et les groupes. Tiens, essaie de te lever un peu. Voilà, je prends. Vas-y. Voilà. Ça va? Planque l'ogive tout de suite. Oh,
Regardez le parachute. Il est resté là-haut, faut le faire disparaître. Si tu l'enlèves, comment veux-tu qu'on nous repère? Et le salopard qui t'a avoiné, tu crois qu'il va rester là? Tu vas voir que tous ses petits copains vont nous sauter sur le rap dans les délais les plus brefs. Ginet, pas de nouvelles des autorités locales? Quoi? Les autorités locales. Ah, rien. Oui. Merci. Formidable. Je fais le nécessaire immédiatement. Excusez-moi, je raccroche. Hein. Les autorisations, enfin, on les a. Déclenchement immédiat de l'opération quadrillage. Opération quadrillage. De Piper Novembre Mai. Venons de survoler la zone 23. Rien à signaler. Tiens pas trop. Pas. Ah bah t'as de la chance. L'os n'a pas été touché. Juste le mollet qui a été un petit peu éraflé. C'est juste un tout petit bobo. Et maintenant faut que t'arrêtes de bouger. Tu te souviens la petite infirmière des Dijon? Ouais. Chaque fois qu'elle préparait ses examens, je devenais son cobaye. Me transformer en momie. Un jour, son père arrive. Il ouvre des yeux comme ça. Et il voit tout en camion traverser la place d'Arcy au pas de gymnastique. À 2h du matin. Tiens, tout en camion, français. C'est bon pour l'affection. Ouais. Sans flotte? Bon, évidemment. Non, mais si c'est les gars de chez nous, ils n'ont plus de repères. Thank you.
signalé par Holsten est à l'ouest. Allons-y. Rassemblement sur la craie! Halte! Les chiens! Hugues, le casque! Ils ont mis le paquet, hein. Une douzaine de bons hommes pour nous deux et la petite tête chercheuse. Il faut ce qu'il faut, hein. Ils doivent bien penser qu'on est des durs et qu'on va pas se dégonfler. Hé hey, ils sont venus avec les chiens? Oui, il y a deux cabots. Entre tes jambes et cet engin qui pèse 60 kilos, là. Une chance sur 100 de s'en tirer. Hein. Tu vas voir que ces salopards finiront par mettre la main sur l'ogive. Attends, Michel. J'ai une idée. Une idée de génie. L'ogive, on va la planquer ici. Ouais, ils vont la trouver. Mais non. Pas si tu l'enterres. Toi, pendant ce temps, tu te tailles dans la nuit. Moi, je les amuse un peu, je leur balance des gadins sur la gueule, je leur tire dessus. Et quand ils me cravatent, je leur dis que t'as mis les voiles avec l'engin. Ah, hein? Et voilà. Et tu crois qu'ils vont s'excuser, te ramener tranquillement à la base sur une civière, avec une danseuse ou laine naïde pour te chasser les mouches? Ah non. C'est pas possible, comme ça. Oh, ça va, trouve autre chose, toi, si t'es si malin. Ils sont bien dans l'abri. Ils sont armés. Bon. Attendons la nuit. Nous serons sur eux avant qu'ils nous aient seulement aperçus. Oui, mais il y aura des dégâts. On verra bien. Le booster report de Papa Bravo. Survolant le secteur 22 depuis une heure. La nuit tombe, j'interromps les recherches. Je rentre. Terminé. Bon allez Michel, laisse tomber, ça va comme ça. Ouf. Je me fais curer moi, tu m'entends? Curer s'il découvre l'ogive. À moins qu'ils aient un détecteur de mine. Ou que les chiens reniflent le paquet. Oh, c'est vrai, il y a les chiens. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, avec ça, plus d'odeur. Dis donc, gaspille pas tout, hein, la fusée peut me servir. Hein. Mais plutôt de la poudre entière qu'un. Bon, je crois que c'est le moment. Vite. Moi, j'aime pas beaucoup l'idée de te laisser seul. Hein. Bon, on n'a pas le choix. Parce qu'on va pas se laisser bousiller tous les deux dans ce trou, tu me comprends? Bon, alors, suis-moi bien. Tu vas jusqu'au surplomb et après t'es bon. Ça mène jusqu'à la crête, t'as compris? Ah, mais tu sais, l'alpinisme et moi, non, j'ai repéré une petite faille, ouais, pas trop dangereuse, de première. Bon. Voilà. Des minutes d'avance, ça te suffit? Oui, surtout j'ai un sacré avantage, tu sais. La trouille, ça donne des ailes. Ciao. Sois sage. Hein. Bien compris. Pile ces panels sur la crête. Les autres, à mon signal, vous foncez tous. En tirant, j'ouvrirai le feu. Attention, il me les faut vivants. On démarra à 10 heures. Au top, il sera moins 10. Réglez vos montres. Top.
Ok. Allez, à vos postes. Michel, je t'ai jamais raconté l'histoire de la mère et de la fille à Dijon? Mais si, mon petit Ernest, tu m'as déjà raconté tellement d'histoires. Qu'est-ce que tu veux? Une vie riche et sentimentale comme la mienne, ça fera des souvenirs pour les longues soirées d'hiver du général de division Ernest de la Verdure. C'était, je crois que c'était en mois d'avril, le 11 avril. Je manque de me faire écraser par une voiture. Oui, oui. Au volant, tu devines qui je vois, hein? La fille? Non! La mère? Non, 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 non! Le père de la fille. Et alors? Alors, il était ceinture noire de judo, alors? Je lui dis, vous avez une jolie ceinture, monsieur. Vous avez vraiment une très, très jolie ceinture. Michel! Michel, prépare la sulfateuse! Vas-y! Elle est toute seule, l'autre a foutu le camp. Laissez tomber ce minable. Et fouillez-moi ce trou à rats. Rien, chef. Nom de Dieu. L'ogive. Où est l'ogive? L'ogive, il est en permission, avec Tanguy. Attends, je vais te rendre la mémoire, moi. Alors, si vous me le demandez gentiment, moi, je vous raconte tout. Mon éminent collègue, le lieutenant Tanguy, est rentré à la base avec le petit bagage. Et moi, je suis là, avec la goutte, oui. Oui, oui, j'ai la goutte. La pauvre petite goutte. Oui. Maladie des familles nobles. Connaissez la verdure? La verdure. Personne n'entend. Oh, dis donc, toi, fais gaffe, hein. Alors, parce que moi, je vais le dire, ton copain, oui. Moi, je vais lui apprendre, hein, tous les articles de la Convention de Genève, à celui-là. Tu vas me le dire, oui. Ah oui. Alors, poum. Dans les fins fonds du Sahara. Tcha tcha tcha. Oh, ça va comme ça, on n'en tire à rien, ils nous mènent en bateau. Pils, prends deux hommes et les chiens. Faut que vous rattrapiez l'autre coûte que coûte. Exécution. Ah, Chiné, 6 heures, au turf. Les patrouilles sont prêtes à redécoller, mon colonel. Les rapports des vols de cette nuit? De rien. Aucun signal capté. Ah, les deux sticks de parachutistes sont arrivés de Pau. Ils décolleront à la première alerte. Parfait. Reprenez les recherches. Bien, mon colonel. Thank you.
Transfert airport de Alouette, kilo novembre. Nous sommes à la verticale de Air Kalachana. Toujours rien à signaler. ديو المال هذاك الراجل اللي طاح. Don't let